Namaskaram, namaskaram à tous. Eh bien, le virus fait des dégâts dans beaucoup de nations. Ça ne va pas bien du tout aux États-Unis. Les décès se multiplient de jour en jour. L'Espagne a un très grand nombre de morts. En Inde aussi, il y a eu un pic. En comparaison, on semble bien, mais le pic n'est pas encourageant. Le genre de pic que nous avons constaté ces deux derniers jours.
Heureusement, le pic est en grande partie lié à un groupe en particulier, donc ils vont probablement pouvoir les tracer et contrôler la chose. Le pic n'est pas général, ce qui est un point positif. Mais l'Inde a d'autres types de problèmes. D'ores et déjà, dans notre région, nous avons repéré plus de 2000 familles qui ont immédiatement besoin de nourriture, on se prépare pour ça. D'ici deux jours, probablement, nous allons installer une cuisine communautaire. Fournir des produits alimentaires est bien plus simple pour ceux qui ont les moyens de les cuisiner. Mais il y en a beaucoup qui ne sont même pas capables de faire ça, parce qu'ils subsistent au jour le jour. Ceux qui ont des terres, les agriculteurs qui ont des terres, vont arriver à se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Mais ceux qui sont vendeurs de légumes, vendeurs de fleurs, qui font des petits boulots, les ouvriers agricoles, il n'y a pas de travail, nulle part, donc pas d'argent. Donc, nous nous préparons à cela et aujourd'hui, j'en appelle à tout le monde. On a besoin de beaucoup d'argent. Dans les 15 prochains jours, disons d'ici le 20 avril au maximum 25 avril, d'ici là, nous avons besoin de minimum 1,7 à 1,8 million d'euros de dépenses qu'on va avoir. Nous nous sommes déjà engagés à cela. Nos volontaires chinois nous envoient quelques centaines de milliers de masques et de gants et autres. Ils sont donnés aux professionnels de santé et à la police qui servent à l'extérieur en risquant tout. Eh bien, c'est une période pleine de défis. Tout le monde devrait se lever et faire tout ce dont il est capable. Quelqu'un comme Ratan Tata arrive et non seulement donne 18 millions d'euros de sa fortune personnelle, pas dans le cadre de la RSE, de sa fortune personnelle, et ensuite il dit, s'il le faut, je vais donner ma fortune tout entière, si la nation en a besoin. Donc, s'il vous plaît, où que vous soyez, quelle que soit la façon dont vous pouvez contribuer, en ce moment, il y a un besoin. Nous avons des volontaires dévoués, des volontaires engagés sur le terrain, mais on a besoin de les alimenter avec des fonds, autrement, ils ne seront pas efficaces. Donc, nous comptons sur votre aide. Je ne vais pas entrer dans les détails du calendrier de travail que l'on met en place, mais il semble que une chose, c'est que le virus économique a déjà atteint l'Inde rurale. Le virus n'est pas encore très présent en Inde rurale. J'espère que ça va continuer, parce que les problèmes économiques sont déjà difficiles à gérer. C'est l'époque où les agriculteurs de l'Inde du Sud commencent à préparer la terre. Après le nouvel an tamoul, le 14 avril, après ça, ils commencent à préparer la terre. C'est très important pour que la récolte suivante ait lieu. Si elle n'a pas lieu, alors il y a un grand risque de pénurie de nourriture l'année prochaine. Donc on ne peut pas se permettre ça. En Inde du Nord, c'est le moment de la récolte. Ils ont de grosses difficultés à récolter. Dans le Karnataka, vous avez peut-être vu les images de producteurs de lait qui déversent des milliers de litres de lait parce que il n'y a pas moyen d'emporter leur lait. Des milliers de litres de lait sont simplement déversés parce que où les envoyer? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc c'est là qu'on peut intervenir. Nous essayons de voir comment connecter et voir où est-ce qu'il y a de la nourriture et où est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Nous sommes en train de voir comment connecter cela. Ça va demander un certain travail, mais malheureusement une certaine exposition pour nos volontaires. Mais je suis sûr qu'on peut gérer ça prudemment. Donc, à un moment comme celui-ci, aucune nation n'est pleinement préparée à gérer une situation comme celle-ci. Les nations les plus riches du monde tremblent sous les coups du virus. Donc, à coup sûr, en Inde, avec le genre de population et de concentration de population que nous avons,
Nous n'avons, à coup sûr, pas le système médical et l'économie pour vraiment tout pouvoir fournir à tout le monde pendant des mois. Non, ça ne sera pas possible. Donc ça ne peut marcher que si les citoyens agissent de façon concertée. Dans ce cadre, le Premier ministre a fait un appel demain à 9h du soir. Tout le monde devrait allumer une lampe ou une bougie, ou au moins le flash de votre téléphone. S'il vous plaît, n'utilisez pas votre téléphone, pas ici. Nous allons monter un grand spectacle avec du feu, parce que l'élément feu du système Bhuta Shuddhi, du yoga, et notre capacité à être une vie forte sont très liés. Si on veut voir si vous êtes vivant ou mort, on va regarder si vous êtes chaud ou froid, c'est-à-dire si le feu est actif ou parti. Tout ce que vous appelez vie sur cette planète n'a lieu que grâce au feu du soleil. Une boule de feu brûle là-haut. La vie n'aurait pas eu lieu sans ça. Tous les autres ingrédients peuvent être présents, c'est comme la cuisine. Tout peut être là, pas de feu, pas de cuisine. Donc la vie s'est cuisinée elle-même, principalement grâce au feu du soleil. C'est l'énergie de base du monde. Donc utiliser le feu comme un moyen de nous maintenir en forme fait tout à fait partie du système yogique. Tout comme vous pouvez prendre une douche à l'eau, vous pouvez aussi vous laver au feu. Ce que l'on fait ici sous la forme de Klesha Nashana Kriya, ça produit d'incroyables résultats chez les gens. Donc demain, en tant que nation, le Premier ministre nous demande d'avoir un petit feu autour de vous, pendant au moins 9 minutes. Vous n'avez pas à vous arrêter à 9 minutes, je vous le conseille à tous. Gardez une lampe dans votre chambre, suffisamment loin de l'endroit où vous dormez, par sécurité, et laissez-la brûler chaque nuit. Ça fera une immense différence pour vous. Autrement, vous devez avoir un espace puissamment consacré, c'est comme du feu qui brûle en permanence, soit l'un, soit l'autre. Une de ces choses doit être faite dans chaque maison. Il y avait toujours une lampe qui brûlait, toujours dans une maison indienne. Maintenant, malheureusement, comme beaucoup de gens voient ça comme un acte lié à une religion en particulier, les autres ne veulent pas allumer une lampe. Parce que si vous allumez une lampe, vous pourriez être converti. C'est tout simplement stupide. Je pense que certaines religions parlent de l'eau. Alors ne vous douchez pas, ne vous lavez pas les mains. Parce que ça fait partie d'une religion. Avant de prier, ils se lavent les mains. Donc ne vous lavez pas les mains, parce que si vous le faites, vous allez être converti à cette religion. C'est tout simplement stupide. Tous les médecins disent, lavez-vous les mains. Est-ce que ça veut dire qu'ils vous demandent de vous convertir à l'islam ou autre? Tout le monde se lave les mains, tout le monde utilise le feu dans sa maison. La chose la plus importante, mis à part les bienfaits que ça apporte, la chose la plus importante, c'est que, à l'heure actuelle, ce qui va déterminer si nous allons réussir à traverser cette situation avec succès ou pas, c'est la cohésion avec laquelle l'Inde va agir comme une seule personne. C'est la seule solution pour nous. Nous n'avons pas assez de lits, d'hôpitaux, nous n'avons pas assez d'unités de soins intensifs, nous n'avons pas assez de respirateurs. Si des millions de gens tombent malades demain, nous allons juste devoir les laisser mourir. C'est la seule option qu'on aura. Donc, n'en arrivons pas là, il est très important que l'on se rassemble tous, quels que soient vos systèmes de croyances, vos idéologies politiques, peu importe les bêtises que vous êtes. Faisons une chose sensée, c'est-à-dire nous unir en tant que nation, parce qu'à l'heure actuelle, le virus ne fait aucune distinction entre cette religion-ci et cette religion-là, quelle est votre idéologie, il ne vérifie pas. Il atteint tout le monde, parti de la Chine communiste, maintenant il envahit l'Amérique capitaliste, pas moyen de l'arrêter. Ce n'est pas un virus communiste. Il n'a aucune idéologie, aucune religion, il vous prend juste pour cible, donc prenons-le aussi pour cible.
ensemble, c'est important. Donc demain, on va vous dire ce qu'on va faire au centre Isha Yoga. Nous allons très probablement le transmettre en direct également, donc restez avec nous et rejoignez-nous. On va organiser quelque chose. On passe aux questions. Sadhguru, cette question est de Rohan. Sadhguru, j'ai lu que vous n'êtes rétabli qu'à 90% après avoir épuisé vos énergies pendant la consécration de Dhyanalinga. Et... est-ce que j'ai l'air de 90%? Et que vous devez pouvoir vous consacrer à vous-même un certain temps pour pleinement vous rétablir, alors que le monde semble s'être arrêté, est-ce que ça peut être le moment pour vous de vous rétablir à 100%? Eh bien, même moi, je le pensais. Enfin, laissez-moi expliquer cette histoire de 90%. Eh bien, après Dhyanalinga, ou pendant ce processus, j'ai utilisé mes énergies et mon corps sans aucune prudence, parce que je ne prévoyais pas de vivre au-delà de ça. D'après le plan, je me disais, après ça, on va partir. Donc, je n'ai pas fait ça prudemment. J'ai tout donné. Parce qu'il n'y avait pas de temps pour la prudence, le temps était compté. On savait que si on ne la terminait pas dans une certaine fenêtre de temps, alors on allait la rater. Donc, on s'est lancé à fond, et ceux d'entre vous qui étaient avec moi à cette époque, vous savez dans quel état je me suis mis. En l'espace de peut-être 3 à 4 mois, j'ai dû prendre environ 25 ans. Tout a changé, mon apparence, tout. Mais depuis, je me suis rétabli. Vous pouvez voir que je rajeunis. De 2000 à 2020, vous pouvez voir que je suis bien plus jeune, bien plus en forme, bien mieux, tout. Donc je suis... Il y a certains aspects dont on ne s'est pas occupé. Ces aspects ne sont importants que si l'on fait beaucoup de consécration. À une époque, on avait prévu de faire beaucoup de consécration dans le monde entier. Eh bien, ça n'a pas eu lieu. On va peut-être en faire une, on avait prévu d'en faire une à la fin de l'année, la consécration de Devi aux États-Unis. Maintenant, le virus doit nous donner la permission de la faire ou pas, on va voir. Donc les consécrations ont été un défi, parce que certains aspects de mon système énergétique ne sont pas en place. Même moi, je pensais que ces 3 semaines sont une merveilleuse occasion pour moi de m'en occuper, mais du matin au soir, ils m'occupent. On tourne quelque chose toute la journée, on fait ceci et cela, il y a l'organisation des activités extérieures. Le seul avantage, c'est que je le fais avec une distance sociale conséquente, c'est-à-dire en grande partie au téléphone ou en vidéoconférence ou autre. Je travaille principalement sous un manguier, c'est le seul avantage. Les mangues ne sont pas encore mûres, j'attends, mais ça n'arrive pas. Parce que... Parce que ces 15, 20 dernières années, je n'ai pas été une seule fois en Inde pour la saison des mangues. À une époque, à la saison des mangues, je passais sur un régime à 100% à base de mangues. Pendant 1 mois et demi à 2 mois, je ne mangeais rien d'autre que des mangues. Dans les environs de Mysore, chaque arbre, je connaissais le goût de ses fruits. Quand ils m'ont invité aux célébrations du centenaire de l'université de Mysore, j'ai partagé une partie de mon savoir sur les manguiers des jardins de l'université. Tous les manguiers, je les avais goûtés et je savais quel arbre est quoi. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans. Donc je travaille sous un manguier, ce qui est une bénédiction. À part ça, en termes de temps, non, ce n'est pas du temps libre, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de gestion de choses et d'autres. Donc, à propos de rétablir ces 10%,
Ce serait très important si on se lançait dans de puissants processus de consécration. Heureusement, ces dernières années, dans toutes les consécrations qu'on a faites, quelques autres personnes m'ont épaulé. Donc ça a eu lieu parfois, on a un peu souffert lorsqu'on a fait la consécration de Devi. Eh bien, j'ai perdu le sens du goût et mon odorat pendant presque un an et demi. Pas en ce moment. En ce moment, je peux sentir et goûter, parce que les gens vont tout de suite penser que j'ai le virus. C'était il y a 6 ou 7 ans. Donc, pendant quasiment 18 mois, tout ce que je mangeais avait le goût de polystyrène. Rien, absolument aucun goût. Eh bien, c'est revenu, je m'en suis remis. Physiquement, je vais bien, il n'y a pas de problème, mais si on se lance dans ce genre de travail et d'activité, alors, ce sera un défi. J'aimerais qu'on puisse le faire, mais on n'a pas ce genre de temps à l'heure actuelle. Mais on va voir, il y a encore du temps. Parce que même si le confinement de l'Inde s'arrête, avant qu'on puisse aller en Europe et en Amérique, et en Afrique, et partout où on était censé aller, je ne pense pas que ça va se régler dans les 6 prochaines semaines ou plus. Donc il y a du temps. Espérons qu'on arrive à faire quelque chose. Sadhguru, cette question est de Sandeep Narayanan. Namaskaram Sadhguru. Vous avez dit que si on a absorbé l'essence même du programme ingénierie intérieure, notre seule présence peut transformer. Pouvez-vous expliquer cela davantage ? Je pense qu'il y a quelques jours, dans l'un de ces darshan, j'en ai parlé, je ne me suis peut-être pas attardé là-dessus, j'ai dit, Shambhavi Mahamudra n'est pas une pratique. C'est comme, on a un temple, Dhyanalinga, il y a quelqu'un qui balaie le temple, parce qu'il n'y a besoin d'aucun rituel pour maintenir Dhyanalinga. Quelqu'un balaie, quelqu'un nettoie, quelqu'un maintient l'ambiance. C'est tout. Est-ce qu'ils font quelque chose pour Dhyanalinga? Non. Ils font juste quelque chose pour le sol, l'ambiance, des choses comme ça. Donc, une fois que vous avez Shambhavi Mahamudra, c'est la même chose. C'est une certaine consécration. Je l'ai toujours dit, la consécration la plus simple à faire est celle d'un être humain. Ce n'est pas pour rien que l'être humain est le pic de l'évolution sur cette planète, c'est le meilleur matériau que vous puissiez trouver. Mais le seul problème avec l'être humain, c'est que quand ils viennent pour le jour de l'initiation, ils sont époustouflés. Et ils sont, vous savez, des larmes d'extase leur coulent des yeux. En quelques heures ou quelques jours, en fonction de qui ils sont, ils vont faire un demi-tour. Pas tout le monde, mais beaucoup d'entre eux. En général, la chose la plus insultante qu'ils me disent, c'est « Oh, il faut qu'on... Tout ça, c'est merveilleux, mais il faut qu'on retourne à la vie normale. » C'est terriblement insultant. Ils disent qu'être en paix, être joyeux, être en extase, est anormal. Être malheureux, être préoccupé, être anxieux, être un tas de rien, est normal. Très insultant pour moi. Donc, à cause de leurs idées stupides sur la normalité, ils vont faire demi-tour. Ils ont investi dans le malheur. J'ai mis longtemps à réaliser cela. Quand ça m'est arrivé pour la première fois, quand je me suis assis comme ça et que j'ai explosé d'extase, j'ai pensé, voilà, je vais rendre le monde entier extatique. Il y a 38, presque 39 ans maintenant. J'ai fait un plan, en 2 ans et demi, je vais rendre le monde entier extatique. Parce que qui n'en voudra pas? Jeune et bête. J'avais 25 ans, et j'étais tombé sur une mine d'or, et je savais que je pouvais le faire, parce qu'il n'y a rien à faire,
Si simplement vous restez assis sans jouer avec votre mental, vous allez devenir extatique. Donc j'ai pensé, qui ne le voudra pas? Une chose aussi simple et aussi fantastique, qui n'en voudra pas? Eh bien, 39 ans, a lentement réalisé que les gens ont de tels investissements dans leur malheur que même si vous leur montrez comment vivre en extase, s'ils se lèvent pour marcher, ils veulent emporter ce coussin ou même la chaise avec eux et marcher. Oui. Quand j'enseignais les programmes ingénierie intérieure au départ, c'est sauvage. Je ne suis pas habillé comme ça, je suis en jean délavé et en t-shirt, à parler sans retenue, mon langage n'était pas policé, je pouvais dire n'importe quoi. J'allais et venais et... Vous savez, j'annonçais un programme de 4 jours et parfois ça devenait 6 jours, parfois ça devenait 12 jours, n'importe. Mais ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais. Aujourd'hui encore, ils ne comprennent pas un mot. Mais leurs vies sont transformées. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Personne n'est transformé par les mots. Les mots, c'est parce qu'ils sont tellement stupides que si vous les faites juste s'asseoir ici, ils vont devenir fous. Vous devez leur dire quelque chose. Voyez, même là, ceci est un darshan. Ça veut dire que je dois juste être assis, vous devez juste regarder. Mais si je reste juste assis ici, vous allez devenir fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il est juste assis, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, il faut que je parle. Autrement, pas besoin de parler. Voyez, si je vais dans les villages, si simplement j'arrive en marchant, tout le monde se met à pleurer. Parce qu'ils n'accordent pas beaucoup de valeur à tous ces excès de mots. Donc, on vous a consacré avec Shambhavi. Si vous le vivez, vous n'avez pas besoin d'en faire la pub. Fais un ingénierie intérieure, fais un ingénierie intérieure, tous les jours, à votre femme, à votre mari, à vos enfants, s'il te plaît. C'est parce qu'ils ne voient rien. Vous dites des choses merveilleuses, mais ils doivent voir des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Lorsqu'ils vous voient, ils doivent se dire « Waouh, je veux être comme ça ». Si cela a lieu, une transformation a lieu. Donc, comme c'est une consécration, d'une certaine manière, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des temples sur pattes. Vous savez, si vous construisez un temple en pierre, il n'est qu'à un seul endroit, vous ne pouvez l'emporter nulle part. Oui, Dhyanalinga, si vous en avez la volonté, comme ce n'est pas une forme physique, elle est disponible partout, mais cela nécessite un certain niveau de réceptivité. Donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'on allait créer des millions de temples sur pattes. Donc quand vous marchez, ceux d'entre vous qui sont initiés, quand vous marchez quelque part, quand vous êtes chez vous en ce moment, vous devez comprendre que vous êtes un temple dans votre maison, vous êtes un temple dans la rue. Vous devez marcher en sachant cela. Les gens vont vous approcher d'une certaine manière. Vous n'avez pas à prêcher quoi que ce soit, vous n'avez pas à faire de publicité, vous n'avez pas à vous tatouer ingénierie intérieure sur le front. Rien de tout ça n'est nécessaire. Soyez simplement, vraiment, 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 à vivre en répondant constamment de façon illimitée, sans avoir aucun sens des frontières. Au niveau des émotions, vous êtes comme une mère pour le monde. Ne faites rien, restez simplement assis là. Les gens vont être transformés. Pas seulement les gens, les plantes vont répondre, les animaux vont répondre, tout ce qui vous entoure, même les choses inanimées vont réverbérer différemment. C'est sûr à 100%, je vous le dis. Eh bien, il y a beaucoup de scientifiques scolaires qui vont immédiatement dire « Oh, ils propagent de la pseudo-science ».
Eh bien, l'idée qu'ils se font de la science est rudimentaire. Les vrais scientifiques ne diront jamais de telles choses, parce qu'ils savent que ce qu'ils ont exploré est une minuscule poussière, ce qui est inexploré est sans limite. Donc, peu importe qui dit quoi, si vous vivez simplement avec ces deux choses, vous n'avez rien compris d'autre, vous devez juste veiller à ce que l'atmosphère reste propre. Voyez maintenant, il y a le temple d'Yanalinga, il peut être très puissant. Mais si vous mettez des saletés devant ce temple, même s'il est très puissant, les gens ne vont pas y aller. Si vous le maintenez d'une certaine manière, les gens vont y aller. Donc votre pratique, c'est juste ça. Nettoyez l'endroit et enlevez les toiles d'araignée tous les jours, c'est tout. Vous ne faites rien pour l'énergiser, ce n'est pas comme Shakti Shalanakriya où vous essayez de construire quelque chose, ce qui prend du temps. C'est pour ça qu'on est passé à Shambhavi, parce que je n'ai pas constaté que les gens avaient la persévérance ou la détermination ou l'engagement pour vraiment travailler à se faire monter à un tel niveau. Parce que ça demande beaucoup de travail. Le Kriya Yoga, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on en est arrivé à Shambhavi Mahamudra. Mudra veut dire que c'est déjà là. Vous en faites juste l'expérience, vous le vivez, c'est tout. Vous n'avez pas à le faire. Mais simplement tous les jours, enlever les toiles d'araignée, nettoyer le sol, c'est tout ce que vous avez à faire, le reste aura lieu. La question suivante est de Vijadas. Namaskaram Sadhguru. Dans l'une de vos citations, vous avez dit « La sadhana n'est pas le chemin, mais sans sadhana, il n'y a pas de chemin. » Je n'ai pas compris cela. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à le comprendre ? Maintenant, vous allez comprendre quand je le dis le soir. Le matin, quand le réveil sonne à 5 heures du matin, soudain, vous ne comprenez plus. Qu'est-ce que c'est que cette sadhana? Il y a tant de gens qui ont dit qu'il n'y a rien à faire. Même Sadhguru l'a dit de nombreuses fois, ne rien faire est la chose la plus élevée. Alors pourquoi est-ce qu'il me demande de me lever le matin et de faire quelque chose? Je ne vais rien faire. Non, ne rien faire veut dire que vous ne devriez pas dormir, vous ne devriez pas ronfler non plus. C'est ça, ne rien faire. Dormir n'est pas rien faire, vous dormez, d'accord? Ne rien faire veut dire que vous ne dormez pas, vous ne pensez pas, vous ne sentez pas, vous ne ronflez pas, vous ne faites rien du tout. Simplement, mais pour cela, vous avez besoin d'un très haut niveau de conscience et de vitalité dans le système. Ça ne va pas se produire simplement. Donc pour le moment, mieux vaut faire quelque chose, d'utiliser des outils. Sadhana veut dire un outil, pas une pratique. Vous utilisez des outils. Sans outils, les êtres humains ne seraient rien. Vraiment, on ne serait rien sans notre capacité à utiliser des outils. Donc, si vous voulez que quelque chose vienne à vous, vous allez devoir faire certaines choses. C'est arrivé une fois. Un client vraiment odieux et bruyant arrive et s'assoit à une table réservée dans un restaurant. Elle était réservée pour quelqu'un d'autre, mais il arrive et s'y assoit. Il n'arrête pas de faire signe au serveur, mais il l'ignore parce qu'il est assis à la mauvaise table. C'est marqué dessus qu'elle est réservée, mais il est assis là. Alors, il crie tout haut. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir de l'eau dans ce fichu restaurant ?» Alors le manager se dirige vers lui et lui dit « Pourquoi ne pas vous faire prendre feu ? Dans ce cas, elle va arriver. » Si vous vous faites prendre feu, l'eau va arriver en grande quantité. Pas juste dans un verre. Donc la sadhana est exactement comme ça. Vous essayez de vous faire prendre feu pour pouvoir attirer quelque chose à vous. C'est un outil. Pas seulement pour la santé et le bien-être, c'est un outil pour attirer une dimension qui n'est pas encore pour le moment. Next. La prochaine question est de Disha, Bangalore. Comment faire en sorte que le mental travaille pour nous et comment se débarrasser complètement de sa programmation inconsciente invalidante? Elle parle du mental de qui? Non, les gens cherchent à faire travailler le mental de leur mari pour eux, à faire travailler les émotions de leur femme pour eux.
Oui, oui. Ce n'est pas une blague. Voyez. À une époque comme celle-ci, il faut juste que je vous réconforte. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, tout ira bien. Mais que faire? Ce n'est pas mon genre. Je suis un idiot réaliste, c'est ça mon problème. Vous pouvez être un idiot réaliste ou un idiot irréaliste, c'est le seul choix que vous ayez. Si vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes un parfait idiot. Donc je suis un idiot réaliste. Je ne suis pas un idiot irréaliste. Donc, idiot réaliste veut dire ceci, on cherche toujours à voir quelle est la bonne chose à faire dans une situation donnée. On ne s'attend pas à ce que Superman, Spider-Man nous tombe dessus et fasse quelque chose pour nous. Vous voyez là tous ces serpents qui pendent, incapables de faire quoi que ce soit pour nous, ils pendent juste là. On les apprécie juste tels qu'ils sont. On ne s'attend pas à ce qu'ils arrivent et élèvent notre Kundalini. Non, non, il y a des gens comme ça. Si vous les mettez là, un gros serpent comme ça, alors ils vont penser, « Oh, ce serpent, si je le regarde et le vénère, il va arriver et s'élever en moi comme le Kundalina. » C'est pour ça qu'on les pend là, enchaînés. Donc, vous voulez que... Je n'ai pas encore bien compris quel mental vous voulez contrôler. Parce qu'en général, c'est ça qu'on appelle une famille, c'est ça qu'on appelle une société. C'est-à-dire que votre mental devrait travailler pour moi. Le mien ne travaille pas pour moi, ce n'est pas le problème. Votre mental devrait travailler pour moi, vous devez penser comme je veux que vous pensiez. Vous devez vous sentir comme je veux que vous vous sentiez. Je ne me sens pas comme ça, ça n'est pas le problème. Vous devez ressentir, pour moi. Voyez, lorsque vous dites, tu dois m'aimer, tu dois éprouver de l'amour pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux que tes émotions soient comme je les veux. Non, non, non. Vous ne pouvez décider que de celui-ci. La façon dont mes émotions peuvent être, la façon dont mes pensées peuvent être, je peux en décider. Décider de la façon dont les pensées et les émotions de quelqu'un d'autre devraient être n'est pas mon affaire. Mais c'est toujours ce qui préoccupe les gens. Mais je suis sûr que Disha est une fille merveilleuse et qu'elle parle de son mental. Comment contrôler mon mental? D'abord, vous devez décider si vous voulez contrôler votre mental ou libérer votre mental. S'il vous plaît, réfléchissez à cela. Tous ceux d'entre vous qui pensent toujours à contrôler votre mental, d'abord, décidez-vous. Voulez-vous qu'il soit contrôlé? Voulez-vous qu'il soit libéré? Oh, dans ce cas, je vais devenir fou. Qui vous dit que vous ne l'êtes pas déjà? Est-ce que vous avez un certificat? Cela est arrivé à Bangalore. Un jeune garçon de 16-17 ans, il commence à avoir des problèmes psychologiques. À l'époque, quand j'étais jeune, à cette époque, il n'y avait aucune sensibilité pour ces choses. Quelqu'un est un peu dérangé psychologiquement, immédiatement ils disent « il est fou ». Donc il va à l'Institut Niman à Bangalore. Il est hospitalisé pendant 3-4 mois et puis il revient. Un soir, il se rend là où tous les jeunes garçons se rassemblent. Ils lui disent « hé, hey, tu es fou, n'est-ce pas? Tu es cinglé, tu es un taré, parce que tu as été dans un hôpital psychiatrique pendant 4 mois, tu es fini, et ainsi de suite. » Ça blesse le garçon, mais il ne sait pas quoi faire. 2-3 jours, il y repart tous les jours, il le malmène avec ça. Donc un jour, il sort un papier de sa poche et dit, « Voyez, ici j'ai un certificat qui prouve que maintenant je suis normal. Est-ce que vous en avez un ?» L'hôpital lui a fourni un certificat que maintenant il est normal, il est capable de revenir. Est-ce que vous en avez un? Non. Moi j'ai un certificat qui est fou et qui est normal maintenant.
Donc, la première chose, c'est Disha et tous les autres, réfléchissez profondément à cette seule question dans les prochaines 24 heures. Voulez-vous contrôler votre mental ou voulez-vous qu'il soit libéré? Nous allons peut-être explorer ça demain. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarve Shambha, Shambha, Mahā.